Quand on monte les thèmes à l'anglo-saxonne, Rudyard comme Jones ont, en shootant complètement le zodiaque, simplement utilisé le dessin planétaire et les configurations planétaires, en donnant un sens qui est remarquable dans l'interprétation. Ce n'est pas autre chose, il s'agit bien de ça, sauf erreur de ma part. Oui, effectivement, il n'en demeure pas moins qu'on vit sur Terre et que d'abord, moi qui travaille l'héliocentrisme depuis 20 ans, je suis le premier à dire que le géocentrisme et plus précisément le topocentrisme, c'est-à-dire littéralement l'étude de la vie du sujet d'abord là où il atterrit sur la Terre en parachute, est quelque chose d'évident à prendre en considération. Et que donc, de ce point de vue-là, le zodiaque, effectivement, photopériodique des conditionnalistes, dans la façon dont il est présenté, est évidemment une idée qu'on peut considérer aujourd'hui comme faisant partie de la science de base, dans ce qui nous intéresse, nous. Il n'est pas très difficile de l'améliorer quelque peu pour ceux que ça intéresse, en considérant d'un point de vue topocentrique maintenant un peu plus et non pas simplement géocentrique, le point occupé par le sujet sur la Terre, à savoir la latitude à laquelle il vit. Nous avons effectivement un exposé du zodiaque photopériodique selon un modèle moyen et applicable moyennement à l'humanité moyenne, ce qui est tout à fait pédagogique et logique. Ceci étant, un sujet vivant à l'équateur et puis le Finlandais qui est à 50-55 degrés de latitude nord n'aura évidemment pas le même vécu, et y compris d'abord dans son corps physique, puisque la réactivité ne sera pas la même. Et ceci n'est pas que secondaire, au sens où l'on dirait les Finlandais sont préprogrammés pour la Finlande et les Noirs pour l'Équateur. Je veux bien, sauf qu'aujourd'hui, il y a des Blancs de latitude tempérée qui vont aller vivre plus au nord, des Noirs qui vivent, etc., qui changent également de latitude. Bon, donc, les incidences de l'évolution de la vie sociale sur la compréhension et la considération des énergies et des influences, avec une extrême diversité de vie qui vient maintenant, cela est à prendre en considération, et c'est un aspect très très intéressant. À cet égard, du point de vue d'abord non pas du grand espace, mais du micro-espace que constitue notre planète, la Terre, ça vient bon, effectivement des États-Unis depuis maintenant 20 ans, 15, 20, 25 ans, peu importe le détail. Celui qui a d'ailleurs superbement travaillé là-dessus nous a déjà quittés alors qu'il aurait encore été jeune. Bref, c'est l'astrocartogéographie. Il est expérimentalement prouvé aujourd'hui de manière très percutante que la relocalisation a du sens, non pas qu'elle nie toute valeur racine au thème original, bien au contraire, mais elle le module, elle le modifie, et c'est tout à fait important, ce qui ne veut pas dire qu'on puisse forcément aller acheter un billet de loterie au point de la planète qui nous soit soi-disant le plus gracieux ou le plus jupitérien. Ça, c'est pas évident, parce qu'il se peut que le destin parfois ne le veuille pas. Bon, ça c'est au niveau de l'espace. En ce qui concerne le grand espace, en général, jusqu'à présent, maintenant, le débat a été polarisé sur tropique ou sidéral, le zéro degré du Bélier ou bien le point stellaire du ciel susceptible d'être pris en référence. Ce débat étant déjà d'ailleurs bien complexe, Régulus par rapport au signe du Lion, l'épi de la Vierge par rapport à la césure Vierge-Balance dans le zodiaque, la question de la définition précise et technique de la précession des équinoxes, il y a au moins 5-8 diversions. On a une version totalement différente selon qu'on étudie essentiellement l'histoire des cultures et des civilisations, selon qu'on étudie les constellations stellaires telles qu'elles sont définies précisément par l'Union Astronomique Internationale, et on obtient des écarts de 200 à 250 ans dans les datations. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, l'ère du Verseau. Si, c'est si. Pour dire, c'est un sujet complexe. Enfin, la commission suivante. Oui, bon, oui, ok. D'accord. Bon. Et ceci étant, bon, en ce qui me concerne, ma première intuition, parce que je fonctionne plus personnellement par le vide que par le plein, et c'est alors que, en général, quelques petites idées parfois, par le plein, c'est tellement rempli que ça déborde. Et donc, il m'a été donné plutôt de percevoir cela d'une façon sensiblement différente. À la base, identiquement, le système solaire tropique, effectivement, qui demeure, et à mon humble avis, demeurera encore longtemps sur la Terre, un référentiel racine, indispensable à connaître avant de s'élever à d'autres niveaux de lecture qui s'emboîtent les uns dans les autres, tels des poupées russes gigognent.
On a encore un mental très carré qui dit le bon, le bien, le mal, etc. De qui parle-t-on? De quoi parle-t-on? En quelle époque sommes-nous? On ne peut pas interpréter, comme on disait tout à l'heure, un rayon planétaire selon qu'on est au début du siècle, au milieu, à la fin. Bon, c'est un non-sens total. Pluton, toute la magie aujourd'hui de tout ce qui se découvre au-delà, à côté, autour de Pluton ou dans sa... Bon, dans sa garde-robe ou bien dans son fond de tiroir. Bon, tout ça, évidemment, nous désarçonne quelque part par rapport à la lecture manichéenne initiale, le Pluton Hadès terrifiant, enfin, qui ne pouvait être génial que pour une personne sur X, et puis assez diabolique, assez triste pour l'immense majorité, et diabolique pour une certaine minorité. Bon, on est en train de sortir de tout ça, tout comme de Saturne, Chronos, la faux, etc., parce que tout simplement la conscience commence à lire de l'intérieur, à ressentir, à recevoir le rayon planétaire, et à le découvrir, du dedans. Bon, rapidement, en ce qui concerne les plans, je considère qu'il y a des plans, et le prochain zodiaque qui sera, à mon humble avis, étudié d'une manière, disons modestement, pré-scientifique, expérimentale, n'est pas le zodiaque sidéral, rien n'est à lui enlever, puisque c'est déjà étudié de toute façon, ça va être le zodiaque galactique. C'est le plan majeur, structural, supérieur, qui nous correspond au-delà de notre entité système solaire. Le système solaire, c'est hyperstructure, c'est Saturne, quelque part au niveau symbolique. Et du point de vue symbolique, on peut une image astrologique que tout le monde peut comprendre, par rapport à notre système solaire, la table, là, plane, eh bien, la galaxie, c'est à 90 degrés. Le zodiaque galactique, c'est uranien. Bon, c'est une autre lecture qui viendra au bénéfice des prochaines générations qui sont branchées maintenant, troisième plan, Uranus-Neptune, et nous, pas simplement comme nous, la majorité d'entre nous, notre monde, niveau 2, Jupiter-Saturne, socio-économie, l'espace-temps du réel, physique, économique, etc. Bon, au-delà, et c'est logique par plan, au-delà de la galaxie, le niveau supérieur, c'est le local galactique, et qui est tout simplement, c'est très facile à résumer, une inversion à 180 degrés par rapport aux positions qui sont les nôtres. C'est-à-dire que, bon, le zéro bélier, si on prend la galaxie, ça se situe maintenant dans les derniers degrés du Capricorne, en direction du cœur de la galaxie, à environ 26 degrés, bon, du Sagittaire. Donc, la frontière Sagittaire, oui, voilà, Capricorne, dans le langage tropique. Et en ce qui concerne notre amas local de galaxies, c'est-à-dire notre région programme à nous, un peu comme la France, nous, dans l'Europe, si l'on veut, eh bien, c'est exactement le contraire, c'est à environ zéro balance. Et alors, quid du sidéral dans tout ça? Eh bien, le sidéral est une sorte de synthèse de tout ça, synthèse, hypersynthèse. Et ce qui ne voudrait pas dire qu'on atteigne là un niveau tellement métaphysique, méta-humain, méta-historique et méta-tout ce qu'on veut, que ça serait absolument non signifiant. D'ailleurs, cela est prouvé très bien en utilisant non pas le zodiaque et l'astrologie sidérale, même classique, mais une technique qui vient aussi en ce qui concerne les premières expérimentations des États-Unis et qui s'appelle tout simplement en trois mots, par exemple en dynamique, la révolution solaire tropique précessionnelle, c'est-à-dire le retour du soleil à son point de départ anniversaire calculé non pas lorsqu'il occupe le même degré, minute et seconde de l'écliptique, mais lorsqu'il se situe exactement dans le même alignement qu'une étoile référencée. Et alors, la différence est minime, 50 secondes et quelques centièmes, bon, mais qui cumule très très vite et qui fait qu'à 36 ans, l'ascendant, enfin le point milieu du ciel se trouve, du thème classique annuel, se trouve par exemple tout simplement exactement à l'opposé, à 180 degrés. Alors évidemment, quand on interprète, ça peut poser question. La question, c'est de quoi parle-t-on? Il n'y a pas un bon point de vue et un autre. Ça, c'est le mental manichéen dans lequel on est encore tous proto-historiquement. C'est la révolution solaire tropique va nous parler, c'est très précis, du temps terrestre. Quand on étudie du point de vue dynamique les résonances harmoniques entre les angles du thème sur le plan individuel, l'ascendant, le sujet qui se lève, sa dynamique comportementale, le couchant de l'année, de la vie, de la journée dans cette année-là, le fond, les racines, comment je me sens à 10h minuit, ça fonctionne d'une manière très naturelle et très performante. Les valeurs de temps dans la chronobiologie annuelle, circadienne et annuelle, sont données comme information dans les révolutions solaires tropiques classiques que pratiquent 95,5% des astrologues. Et si on est, et alors, quid de la révolution solaire, qu'on va appeler pour simplifier sidérale? Et qu'est-ce que ça nous
De quoi ça nous parle? Eh bien, ça nous parle tout simplement de l'espace, c'est-à-dire de ce qui se passe si je me projette dans l'espace. Et l'information est bien évidemment différente. Un amas en maison 3, un amas en maison 12, ça ne donne pas, ça ne fabrique pas effectivement dans les cellules de l'être la même information. Ça ne nous auto-programme pas du tout de la même façon en ce qui concerne notre fonctionnement dans la vie, jusqu'à certains choix que nous allons faire. Et c'est là qu'il est important justement de maîtriser un minimum, on ne demande pas la lune ni le soleil, un minimum la compréhension des